Oui, attention, senteur. Attention, senteur, Daniel, pour Dundee 33 qui t'appelle depuis le QRA. Ouah, ça passe très très QRP de mon côté. C'est un peu compliqué. Hein. T'es les 7h15, Mars, c'est vrai, ouais, tu pars en bouchée. Là, je suis au QRA, là, Daniel. Ce soir, par contre, là, je vais, j'ai une petite vacation là en soirée là de mon côté. Donc demain matin, tu m'auras pas en fréquence. Hein. Si j'ai bien compris, là, tu décolles juste du QRA, c'est ça, hein? Ouais, de mon côté aussi, hein, c'est extrêmement QRP. Là, j'ai du mal à te décoder là. Ah, je suis trois coups. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Je sais plus, une connerie à tous les coups. Il est toujours en train de parler. Ah ben alors là je t'ai complètement perdu là Daniel. Il m'a semblé entendre parler de Nounours. Je sais pas, je sais pas si tu l'as eu en fréquence. S'il est derrière, je n'entends pas en tout cas. Ben, s'il m'entend, ils sont 1351 lui. Et là, c'est vraiment compliqué là Daniel. J'ai compris que t'es arrivé sur la rocade, ça ok. Puis après, c'est parti là. Ah, je suis en train de faire une petite vidéo là, Daniel, là tu verras, là c'est même toi je suis pas sûr que tu arriveras à comprendre là comment ça passe de mon côté. Je pense que tu as dû relâcher le micro. J'ai entendu quelques brides, là c'est tout. Là, dans pas longtemps, là, d'ici 10 minutes, là, tu vas avoir Yankee 33 là, qui va décoller de chez lui. Hein. Là, qui va en direction de la rocade. Parce qu'à chaque fois, là, quand je débouche de la rocade là, à 7h30, je l'attrape en fréquence. Donc là, tu devrais l'avoir là d'ici quelques minutes.
Ouais, de mon côté aussi, Daniel, c'est vraiment très, 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 très QRP. Hein. C'est vraiment compliqué pour arriver à décoder quoi que ce soit. Bon, c'est pas grave, Daniel. On va pas insister plus. Je te souhaitais la bonne route, le bon pro là, pour la journée. Et là, je suis en train de faire une petite vidéo. Bon, tu verras ça là, dans le courant de la journée ou dans la soirée. Et je te dis à plus, hein, parce que c'est vrai que là, ça passe radio cacahuète là, de mon côté. Hein. Bon, c'est pas grave. Je te dis bonne route à toi, en espérant que t'aies des copains là sur le 19. Comme je disais tout à l'heure, tu devras avoir là d'ici 5-10 minutes là, Yankee 33 là, sur le 19. Là, tous les matins, là, vers 7h30, il est en fréquence. Hein. Peut-être même avant, hein, je sais pas, mais bon, à chaque fois, tous les matins, je l'attrape à 7h30. Tu devras avoir d'autres stations aussi, là, Nounours, certainement, je sais pas, on verra bien. Allez, je te souhaite la bonne journée, Daniel, parce que là, je vois pas comment faire le QSO. Toi aussi, si tu fais pas plus d'efforts comme ça, que ça, si tu mets pas une antenne de fixe sur le toit de ton push, comment veux-tu qu'on y arrive? Ah, chie trois coups. Imaginez une antenne... Ok, la station, les 113-51 de Dundee 33 en compagnie de Senteur qui est du côté de Saint-Médard là-bas sur la rocade. Ouais, j'ai vu ça là de mon côté, là je suis au QRA là sur Sainte-Colombe, limite d'Ordogne. Et dehors c'est pareil, je suis dans le brouillard aussi. Quoi. Je l'entends derrière parler, mais... Désolé Daniel, mais là c'est incompréhensible. Et 73 Fabrice. Ouais, ma foi. Ouais, dans l'ensemble ça va. Sinon, à part ça, mais pas grand chose. Mais je me suis inscrit là sur. Je sais pas si tu l'as vu passer là. J'ai fait une demande là pour les kilomètres là. Parce que là, ce que j'avais avant, mais les Zulu Golf là, je peux plus aller sur leur site là. Je sais pas, ça marche plus, j'en fais rien. Alors, comme ça me sourit, puis j'ai changé. Ok, pour les kilomètres, il faudra que je regarde. Enfin, c'est pas moi qui gère. Hein. Oh, ben zut. Joël, 14 kilomètres, 5701. Voilà, qui est là-haut sur le nord de France. C'est lui qui. C'est lui le président des kilomètres. Et j'irai voir tout à l'heure sur le groupe, parce qu'effectivement, là, j'ai dit bonjour à quelqu'un. Un nouveau inscrit et pour le coup là j'ai zappé l'indicatif. Et oui, comme je m'attendais pas à ce que ce soit toi, je rendrai ça tout à l'heure. Comme ce soit toi, j'irai voir tout à l'heure là, le prénom qui est rajouté avec. Ouais, ok. Ben là moi j'ai 14 km 24 13 Fabrice. Voilà, mais j'étais pas mal parce que j'étais là, moi j'ai reçu ce matin le truc parce que j'avais fait la demande là, il y a deux jours. Après bon je m'étais trompé sur un petit truc là, alors, du coup il m'avait renvoyé un mail hier, donc j'avais répondu. Et puis dans la journée, j'avais vu mon inscription passer sur le Facebook là. Alors j'ai dit ah, c'est bizarre, j'ai pas reçu les machins. Puis ce matin là, quand je me suis levé à 7h, j'ai vu que ça y était, alors du coup bon, j'ai mis qu'il y avait perdu, j'ai regardé un peu les trucs qu'il y avait là. C'est bien parce qu'on peut voir la carte de France là avec ceux qui sont inscrits. Donc c'est pas mal, j'aime bien toi. Franchement, je préfère toi sans le vouloir, parce que bon, on a parlé avec Nicolas là, avec Nico de Libo. Et c'est vrai que moi j'avais les Zulu Golf, mais le problème c'est que j'étais inscrit. Et après tu pouvais plus accéder à leur site, ça marchait pas. Et puis je leur demandais une colle, une fois j'avais même demandé un nouveau mot de passe, qui m'envoyait un nouveau mot de passe et tout. Impossible, donc du coup, et puis là ça m'a sauvé, allez, j'ai dit allez, je vais changer. Je vais prendre allez, le même que Nico. Après comme je ne savais pas trop s'il y en avait d'autres qui traînaient ou pas. Bon, j'ai dit en plus c'est facile, c'est tout simple. J'ai dit allez, je tente et puis on verra bien.
Oui, non, mais t'as bien fait. Alors, je viens d'arriver sur la page Facebook. Ah oui, non, le dernier, c'est 14,59 km, Reynald. Je descends. Ah oui, je vois. Ah ben, attends, dites que je mette les lunettes. Ah ben, c'est hier que j'ai envoyé le bonjour justement dessus. Il y a eu en même temps 14 km 24-13 Fabrice et 14 km 59-30 Jean-Claude. Autrement, oui, il y a du monde. Hein. Oula, oui, il y a pas mal de monde là, justement, là, au niveau des kilomètres. Hein. Alors, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, quand Joël m'a contacté, parce que lui, il est depuis le début là sur le forum de la planète Sibi francophone, et pour la petite parenthèse, justement, mon forum et en même temps le sien, là, pour les kilomètres. Donc, voilà. Alors, un jour, il m'a contacté en message perso, me disant qu'il aimerait bien ouvrir un groupe de DX. Et il m'avait suggéré plusieurs indicatifs, plusieurs types d'indicatifs et tout. Donc, grosse recherche derrière sur Internet, ceci, cela, qui n'est pas déjà un qui existe, et ainsi de suite. Ok. Un premier tri fait. Ensuite, après, ça a été, comme beaucoup, comme j'ai pu l'observer, les indicatifs à trois lettres, il y en a beaucoup qui sont contre. Donc, allez, nouveau tri, pour rester sur une petite liste à deux lettres. Et au final, eh bien, ça a été celui qui claquait bien aux oreilles sur les ondes. Et c'est vrai que quand tu prononces 14 kilomètres, là de suite, même si ça passe très QRP, ça se reconnaît de suite quand même, quoi. Par rapport à d'autres où on va pas trop savoir exactement ce que c'est et tout, là ça claque de suite aux oreilles. Et donc voilà pour la petite histoire le choix de ces lettres kilomètres. Ouais, aussi, parce que moi c'est une 3 lettres que j'ai le Golf F31. Alors donc c'est vrai que j'ai 3 lettres et puis là bon ça passe à 2 lettres donc je m'en fous un petit peu, c'est pas grave. Donc ouais parce que j'ai regardé un petit peu le site, là j'en avais parlé un peu avec Nico et tout, donc j'ai dit ok, et puis j'ai dit je vais tenter, et j'aurais jamais envie de chercher plus loin. Et puis là quand ce matin j'ai reçu le truc, j'y étais là tout à l'heure, là il n'y a pas longtemps, j'étais encore dessus là. J'étais en train de regarder la carte là, tous ceux qui étaient inscrits avec le petit point vert là. Donc ouais c'est bien. Donc après, voilà. Mais après, il y a. J'ai vu aussi dans la page qu'il m'avait envoyé une adhérence à 10 euros là. Ouais, je pense que c'est ça. C'est pour faire quoi celui-là là, là. C'est pour adhérer à un truc ou ça fait partie du kilomètre ça. Alors chacun, au fait, petite question, je fais une vidéo, ça te dérange ou pas? Si ça te dérange, je coupe de suite, il n'y a pas de souci. Hein. Non, je m'en fous, moi. Ok, puis en plus, là, on parle d'un sujet qui est assez intéressant. Là, justement, ça pourrait intéresser du monde comme ça derrière. Par contre, le début, là, tout à l'heure, le début, je le couperai. Hein. Là, pour garder uniquement là, l'essentiel. Chacun fait comme il veut, hein. C'est on prône déjà la liberté de choix. Par quoi je vais démarrer? Déjà pour commencer à la base, bon comme tu le sais, le forum la planète Sibi francophone et en même temps le groupe des kilomètres. Et le groupe des kilomètres et en même temps fait partie en même temps de l'ERCI France. Alors il n'y a aucune obligation. C'est chacun voit midi à sa porte. C'est alors l'ERCI France, c'est un regroupement national d'associations qui est complètement différent d'une fédération. C'est ça n'a rien à voir. C'est il n'y a aucune comparaison entre les deux. Hein. Alors, c'est à chacun de voir s'il veut adhérer en même temps à l'ERCI ou pas pour faire avancer les choses, quoi. C'est, voilà, pour participer à quelque chose. Parce que bon, quand on fait partie d'une association, alors là, justement, tiens, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là.
Une fois, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui, justement, je faisais partie d'une autre association à l'époque. Pardon. Et une fois en discutant de visu avec quelqu'un, le mec il me répond comme ça, « Oui, mais à moi, ça m'apporte quoi de faire partie d'une association ?»« Ah ben non, ah ben non, quand on fait partie d'une association, c'est pour participer à quelque chose, c'est pour amener quelque chose. » comme là, si un jour tu fais le choix de faire partie de l'ERCI, ça sera ton choix personnel. Bon, c'est que 10 euros, mais bon, c'est 10 euros qui serviront justement à apporter quelque chose, justement, là, au niveau de la caisse de l'ERCI, ça, pour faire avancer les choses, comme par exemple les différentes démarches administratives, pour essayer de faire avancer la CIBI, pour essayer d'obtenir des trucs, pour d'autres fréquences également. Il y a aussi, ah oui, le plus important en ce qui nous concerne, comme ça, au niveau individuel, on va dire, l'assurance. Tu fais une expédition, un truc comme ça, eh bien, ton matériel est assuré. Donc, si durant l'expédition, il y a de la casse, un truc comme ça, bon, voilà, tu étais quand même couvert par l'assurance de l'ERCI. Après, il faudrait contacter le président de l'ERCI, Norbert, si tu veux plus d'infos, car là j'ai pas tout en tête. Hein. Oui, ok, mais je vais regarder un petit peu là, vite fait tout à l'heure, là, j'ai regardé un petit peu vite fait, donc j'approfondirai la chose. J'en regarderai, j'avais été déjà sur leur site là, donc mais je regarderai, ouais. Donc ouais, d'après, ça sent, voilà. Donc ouais, c'était juste pour savoir, voilà, parce que comme j'ai vu ça là tout à l'heure, donc c'était pour savoir si ça correspondait en même temps pour les kilomètres là, si c'était un don ou un truc comme ça, là, pour faire marcher un peu l'association des kilomètres, voilà. Donc en gros, elle est en association là, les kilomètres, alors. Alors attends, le pire c'est que depuis le temps qu'on se connaît avec Joël, je lui ai même pas posé la question sous quel régime il était. Alors lui, je crois que c'est le truc le plus... parce que tu as différentes catégories d'associations. Si je me trompe pas, il doit être au premier niveau... c'est-à-dire là où t'as pas de compte à rendre, on va dire, au niveau budget et compagnie. Parce que bon, les kilomètres proprement dit ne prennent pas d'argent. C'est ah oui, tiens, à l'ERCI, t'as une boîte postale aussi. C'est vrai, j'ai failli l'oublier. Les kilomètres ne prennent pas du tout d'argent. Les kilomètres délivrent un éducatif, comme Joël l'a fait là pour toi. Toute l'activité, bon, je vais pas me répéter, mais bon, toute l'activité des kilomètres se passe sur un forum plus le groupe Facebook, mais bon, c'est surtout sur le forum que tout se passe. Hein. Là, il y a une très grosse activité dessus. Hein. Mais bon, tout ça, c'est que du bénévole. Hein. Donc, au niveau des kilomètres, il n'y a aucune rentrée d'argent qui se fait ou quoi que ce soit. Donc, ouais, si je me trompe pas, il doit être au premier niveau. Faudra que je lui pose la question. Oui, il faudra que je lui pose la question, mais il me semble que ça doit être ça, quoi. Alors, le pire, c'est que nous, de notre côté, on fait des choses tellement naturellement qu'on se pose même pas de questions, quoi. Des fois, je ferais bien, quoi, pour être capable de répondre. Ah, je suis trois coups. Oui, tout à fait. Oh, mais j'ai une bonne question, voilà, c'est pour ça. C'est oui. Un peu de la tête, donc après, bon, je m'en foutais si c'est pour faire un don, comme ça fait beaucoup des fois maintenant sur des sites, là. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu fais un truc par PayPal, là, tu fais un don, même si c'est 5 ou 10 balles, 10 euros, qu'est-ce que c'est maintenant, 5 euros, 10 euros. Franchement, c'est plus rien maintenant. Donc, non, mais après, voilà, c'était pour, voilà, c'est pour savoir. Ok, voilà, bon, mais ok, ça marche. Voilà les news d'aujourd'hui. Ok, et justement, tiens, le forum est rattaché à l'ERCI. Alors, à l'origine, l'ERCI avait son propre forum, mais bon, comme tu le devines, ça demande énormément de temps. C'est un travail quotidien journalier, hein. Et ce qui fait que leur forum n'a jamais fonctionné.
Et du coup, là, quand ils m'ont contacté, ils m'ont proposé tout ça et tout, ça et tout. Je me suis dit, ben, ok, je fonce. Et du coup, c'est mon forum qui a pris la place du leur. Donc, mon forum fait partie de l'ERCI. J'en suis toujours l'administrateur, hein, ça c'est pas un problème, mais il y a quand même eu des documents signés et déposés au tribunal de Mulhouse là-bas en Alsace. Donc il y a quand même quelque chose d'officiel derrière. Hein. Et donc ouais, effectivement, il y a quand même un gros truc là qui bouge là quand même là à ce niveau-là. Quoi. Ouais, bah après c'est bien, de toute façon, voilà, c'est bien que ça. Ça évolue aussi un peu quand même, on n'est plus dans les années 80, donc c'est sûr qu'il faut quand même que ça évolue pour qu'il y ait du monde aussi à la radio, parce que si on n'évolue pas, mais il n'y aura pas grand monde et puis on ne poussera pas les jeunes à essayer de faire de la radio. Alors après, bon, hein, y en a quelques-uns qui reviennent, là, mais ça ne court pas les rues, donc c'est vrai qu'il faut, quand ils commencent à arriver, bien, il faut essayer de les garder, et donc leur expliquer qu'il y a des forums maintenant, qu'il y a des feux, des... Ça permet que les mecs évoluent et puis comme ça après ils peuvent faire de la radio avec n'importe quoi quoi. Ouais, affirmatif. Tiens, justement à propos de jeunes, là récemment on en a eu un là qui s'est inscrit sur le forum, il a 12 ans. Donc tu vois là c'est quand même le c'est quand même pas mal intéressant. Alors c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux sociaux de ça, oh les jeunes ils en ont rien à foutre de la CB, ça les intéresse pas, ceci, cela, mais il faut être déjà qu'on commence par leur montrer ce que c'est. Et si personne, parce que généralement ceux qui disent ça, eux-mêmes n'ont pas envie de leur montrer. Quoi. Mais à partir du moment qu'on leur montre, eh bien si quelque part ça les interpelle, hein, et la preuve, là je vois là ce jeune qui s'est inscrit, ça l'intéresse. Hein. Oui, bien sûr, mais on sait jamais, un jour ou l'autre, ça peut venir. C'est, voilà, quoi. Ouais, ben c'est pas les mêmes générations. Mais bon, c'est vrai que sans être les mêmes générations, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, on sait jamais, on peut avoir des surprises. Et j'en ai vu d'autres aussi comme ça, auxquels je m'y attendais vraiment pas du tout. Et, je me suis mis à la CB et tout, ceci, cela et tout. Ah ben là, pour le coup, c'est moi qui me suis retrouvé cloué, quoi. Ouais, ben oui, de toute façon, il faut un tout pour en faire quelque chose, de toute façon. Donc après, bon, après, moi, c'est bien de leur expliquer des fois, parce que bon, quand ils s'installent et tout, de leur expliquer s'ils ont bien accordé l'antenne, s'ils ont bien... Parce que bon, après, c'est vrai qu'ils ont des petits postes, ils commencent avec des petits postes, donc des fois, ils ont que la M, le jour, là, j'ai fait un contact, là, le jeune, là, je pense que c'est un jeune, il avait que la M, mais ça marchait pas bien, 40 canaux, on n'est pas fermé FM, bon, je lui ai expliqué un petit peu, mais bon, depuis, j'ai pas entendu, alors bon, après, c'est comme ça, mais, ouais, faut leur expliquer, des fois, faut leur expliquer, là, s'il y en a qui se lancent ou quoi, s'ils ont bien accordé, ou comme ça déconne, des fois, ils savent pas, eux, derrière, vraiment, si ça déconne, parce que, ben, ils pensent que ça fonctionne, donc comme ils n'ont pas de retour, ils disent, bon, ben, ça fonctionne, après, si on leur dit pas, bon, ben, voilà, quoi, quand on leur dit, après, ils disent, bon, ben, je vais regarder, voir s'il n'y a pas un problème de map, si ça vient pas de l'antenne, si, donc, voilà, après, c'est bien, mais bon, c'est vrai que ça, les nouveaux, ça ne court pas les rues, ouais, il ouais, n'y en a pas beaucoup, alors, le peu qu'on peut essayer d'attraper, de garder, mais, ouais, c'est bien de les... De les suivre et de les garder, on va dire. Ouais, affirmatif. Et puis, bon, concernant les jeunes qui sont très jeux vidéo et tout, bah tiens, il suffit de leur présenter la chose, comme par exemple, bah tiens, vous jouez en réseau, ceci, cela, et bien en parallèle, vous pouvez discuter en même temps à la CB. C'est, ou alors échanger des bons plans sur des jeux vidéo, et ainsi de suite, et tout ça, il y a toujours, parce que sur la CB, les sujets sont libres. Bon, par déontologie, on va éviter de parler religion et politique, mais autrement, tous les sujets sont libres.
Et pour les amener à la CIBI, c'est vrai qu'il suffit de les amener sur des sujets déjà qu'ils aiment au départ, quoi. Et, là, ça prend un tout autre sens, quoi. Tu parles de l'occasion. Sur le forum, justement, là, on a une rubrique là où les membres parlent justement du prix du matériel de l'occasion sur certains sites de vente sur Internet, dont je ne ferai pas de la pub, H3Coup. Il y en a, c'est pas compliqué, ils sont persuadés que leur truc, leur poste boiteux, parce qu'ils n'ont pas fonctionné depuis 20-30 ans, sont plaqués or. Je vois là, il y en a, c'est pas compliqué, ils multiplient les prix par 10, hein. Peut-être même plus même. Tiens, je vois là, ces jours-ci, là, j'en ai vu là, attends que je me trompe pas, ouais, j'ai vu des prix qui tournaient autour des 400, 500, 600, 800 euros pour du poste CIBI. Tu te dis, attends, il y a de quoi halluciner, quoi. Sachant que quand même la CIBI, surtout autrefois, ça a été fabriqué à très grande échelle pour le grand public. Donc l'effet de rareté dans ces cas-là, non, ça prend pas. Hein. Même si certains postes sont un peu plus compliqués à trouver aujourd'hui, mais bon, du fait que ça a été produit à grande échelle à une certaine époque, forcément ça casse la possibilité de surenchir comme ça, quoi. Enfin bon, chacun voit midi à sa porte, on va dire. Mais bon, c'est sûr que moi, pour ma part, je vois sur le forum quand je discute justement avec des gens qui cherchent à s'équiper et tout. Alors déjà, je vais plus les orienter vers des postes multimodes. S'ils ont envie de le revendre rapidement, déjà, ça part plus facilement. Et ça leur évite, s'ils commencent par les petits postes AM ou AMFM, de après à nouveau racheter du matériel plus gros. Donc ouais, j'essaie plus de leur indiquer directement des postes multimodes. Et puis après, bon, ils évoluent tout doucement avec, quoi. Maintenant, ouais, quand je vois le prix là, qui vendent des fois leur base là, leur matériel, c'est un décamétrique, hein, c'est con à dire, mais c'est un décamétrique en bon état, bien révisé, et puis voilà quoi. Et c'est comme ça, mais bon, t'as là qui aime bien, qui gonfle un peu les prix, se disent, oh, ben, il y en a qui vont freiner le matin. Bon, alors moi, ils ne m'auront pas, mais bon, c'est vrai qu'il y en a un, il y en a que s'ils veulent se lancer, ils se disent, oh, ben, comme j'y connais rien, ben, ouais, allez, j'achète. Voilà. Après, c'est comme ça aussi, c'est un cercle vicieux, on va dire, mais bon, faut faire avec, quoi. Mais c'est sûr, oui, il faut leur dire de suite, si vous achetez du matériel, vous allez à tel endroit, vous cherchez ça, c'est révisé, machin, tac,
Et puis voilà, faut comparer les prix par rapport à Internet, hein, et puis de toute façon, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Maintenant, faut comparer moitié prix du neuf et le moitié prix d'occasion. Faut comparer parce que sinon, c'est sûr que le mec qui connaît rien, il se fait endormir, mais comme un roi soleil, comme on dit, hein, comme un roi soleil. Donc c'est pour ça que, ou alors après, c'est vraiment acheter le matériel par connaissance, et que c'est sûr de connaître la personne qui a le matériel révisé, et que voilà, au moins tu es sûr que là tu tombes dans les bonnes mains, mais des fois tu peux tomber pas dans les bonnes mains, quoi. C'est pour ça que bon, après c'est comme ça, hein, de toute façon on aime bien, on aime, mais on n'aime pas, et bien on ne sait pas, mais bon, c'est sûr, quand on peut récupérer des vieux poches et tout ça, bon, et bien c'est vrai que des fois on aime bien les avoir, ces vieux poches, parce qu'on dit que ça c'est bien, voilà, ça donne des idées, donc les mecs ils achètent, et puis après bon, ils évoluent, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Alors évidemment, par nostalgie, et moi c'est pareil, hein, les vieux postes, ceci, cela, j'aime bien. Bon, j'en ai quelques-uns là au QRA, dont je me sers pas. Qu'est-ce que je voulais dire justement? Putain, j'étais bien parti là. ouais, mais bon, faut tenir compte que... qu'est-ce que je voulais dire? J'ai l'air con là, sur le coup. Je me suis perdu tout seul, moi. J'étais tellement après à écouter justement tes explications que j'ai perdu ce que j'avais en tête. j'ai rien contre les vieux postes, bien au contraire, par nostalgie j'aime bien en voir ceci, cela, mais à utiliser, je suis, ah oui ça y est, ça me revient, à utiliser je suis un petit peu plus méfiant, ou alors utiliser occasionnellement. Et il y a un truc qu'il faut bien comprendre sur les vieux postes, c'est au niveau du filtrage. Alors autrefois, il n'y avait pas le QRM qu'on avait aujourd'hui. Donc sur ces vieux postes, les filtres sont adaptés à l'époque, bien évidemment. Aujourd'hui, on trouve par exemple sur les nouveaux postes le filtre HIQT, qui est très redoutable. Et puis les autres filtres, ils ont évolué par la même occasion. Je vois, moi, tiens, par exemple, là, sur mon Yazu, bon, j'ai pas le HIQT, et c'est bien dommage. Parfois, il me serait bien utile. Mais bon, peu importe. Je vois le filtre NB que j'ai dessus. Là, si je l'enlève, je me retrouvais avec un QRM pas possible. C'est clair, net et précis. Donc, ça montre bien par rapport au matériel d'autrefois qu'il y a quand même une évolution qui s'est faite avec les QRM, avec les nouveaux QRM. Et c'est pour ça que j'ai plus facilement orienté les gens vers du nouveau matériel, tout en adorant, tout en aimant les vieux postes. Oui, tout à fait. Ouais. Ben moi c'est pareil. Je vois mon 440 S. C'est pareil, il a les filtres, mais il n'en a pas 52 000. Il passe tellement fort filtres, que j'arrive pas à voir la différence. Il n'y en a pas trop jeune non plus, mais il y en a que deux, on va dire trois. Allez, sur les deux, il y en a deux qui fonctionnent bien, et le troisième ne fonctionne pas trop bien. Donc ça filtre pour l'USB, ça filtre à peu près, on va dire, mais pour la M, c'est pas la peine. Ça filtre mal, ça filtre même très 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 mal, on va dire. Alors quand il n'y a pas de QRM, c'est bon, ça marche. Alors dès qu'il y a un peu de QRM, alors c'est même pas la peine. Et là, sur le 480 là, que j'ai, j'en ai des filtres. Là, il y en a plein. Il y en a tellement plein que tu te demandes des fois à quoi ils servent. Mais bon, c'est pas grave, mais ça sert. Donc ça sert. Donc celui-là par contre il filtre pas trop mal. Il a vraiment les QRM derrière. Après, il y a plein de réglages, c'est des trucs qu'on. C'est bourré de réglages et on sait pas tout vraiment comment ça se règle, mais bon, après il faut faire des essais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les réglages de poste, aussi bien filtre et tout ça. Là j'ai regardé moi pas mal de vidéos là, et c'est vrai que suivant les modèles de poste que tu as, pour trouver des vidéos en français déjà c'est rare, et puis les explications comment on peut régler les postes
Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, vous voyez un peu? Voilà, j'ai laissé un blanc justement là pour devant la vidéo là pour j'ai enlevé le filtre NB. On entend un espèce de QRM derrière. Tiens, au fait là, ça ressemblait à de la mitraillette. Hein. Oh, va falloir que je m'occupe de ça. Ouais, j'ai le QRM Eliminator qui est à côté. Va falloir que je fasse le branchement PTT là sur le Yazu pour voir ça de plus près. Et bah tiens, justement, tu parles de filtres et tout ça, bien souvent c'est des vidéos qui sont pas en français, ceci, cela. Je vois moi là, avant d'acheter le QRM éliminateur là que j'ai branché là sur le 7009 là qui est au-dessus, que j'utilise moins maintenant à cause du QRM. Pourtant il a tous les filtres, mais chez moi les QRM ça passe tellement fort que j'ai un 5 points de QRM permanent. Avec tous les filtres d'enclencher et tout. Enfin bon, passons. J'ai rebasculé du coup là sur le Yazu. Et pour en revenir au QRM éliminateur, quand je regarde les vidéos sur Internet, au premier coup d'œil, je ne me suis pas méfié. Bon, j'en suis content, il fonctionne, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est après avoir eu le mien que je me suis rendu compte, mais les mecs, ok, ils font une démonstration et tout de QRM éliminateur, mais le cas micro... Quand on regarde bien, le bouton qui est le plus à droite, il est soit la moitié ou même un peu moins. Alors du coup, ce gain micro sert de réducteur de réception. Alors que non, c'est pas ça le but. Le gain, lui, il faut qu'il soit adapté à l'antenne. Et je sais que là, quand je l'allume, le matin par exemple, quand il n'y a rien, bon bah là évidemment c'est trop tard. Mais le matin vers les 6 heures par là, quand j'ai rien comme QRM et tout, je l'allume, je l'éteins, je regarde le hertzmètre du poste, ça ne bouge pas, il reste au même niveau. Et donc là, ok, c'est le réglage est comme il faut. Hein. Mais là, c'est vrai qu'avec ce que je viens d'entendre à l'instant, là, je suis un petit peu étonné, je pensais pas, ouais, ça ressemble à du CPL. Va falloir que j'ouvre le Yazu. Que je vois ça là, ou je me fasse un petit boîtier entre le micro et le poste pour brancher le PTT dessus. Parce que là, apparemment, ouais, ça ressemblait un petit peu à du. Ça avait l'air de faire un petit peu la mitraillette, mais en très rapide, quoi. Ouais, ça passe. Ah, j'ai pas, ouais, ça passe pas là, c'est petit. Bon, tant pis pour moi. Ok, mais sois centré de toi et merci du petit coucou là. Oui. Ok, bye bye. Un retour, allez. Ouais, il doit être en train de rouler parce que ça a été compliqué de mon côté et là sur la fin, j'ai réussi à l'entendre un petit peu. Ouais, c'est pareil, ouais. Mais au début, je l'ai entendu, mais après, ça. Ouais, c'est parti. Après, au dernier. C'est revenu, ouais, il doit rouler, ouais, il doit être dans les... C'est pour ça que j'ai pas trop entendu le son en 38TH, mais bon, il roule. C'est déjà pas mal, il y en a encore en mobile. Bah, bien sûr. Je vois, moi, le suivant sur quel site je suis, là, sur Mérignac, il y en a un, là, où je débouche le matin à 7h30. J'ai Yankee 33. Hier matin, en plus, j'ai eu 100 heures, Daniel. J'ai aussi Nounours. Et puis, il y en a bien d'autres aussi. Mais ils sont plus du côté de l'agglomération bordelaise, de ce côté-là, là, en mobile. J'étais en mobile avant, mais bon, maintenant, comme bon, on a des bagnoles où on peut pas trop mettre la radio, donc comme j'ai pas envie de faire
des trous et des trous. Alors heureusement que j'ai une vieille voiture là et j'ai commencé à remettre un petit peu la radio dessus. Mais bon, je la mets de temps en temps quand vraiment je m'en sers pour aller à Libourne ou voilà, quand je m'en sers un petit peu là. Il n'y a pas longtemps que je l'ai monté. Donc voilà, mais c'est vrai que ouais, en mobile, ouais, j'aimais bien moi quand j'étais drôle, quand j'étais jeune là, que j'ai commencé, mais j'ai commencé en mobile, on va dire. Donc du coup, ouais, c'était bien parce que bon, après c'était d'essayer de faire le plus loin possible, d'être dans les hauteurs, et puis bon, c'était ça. Mais là, bon, on est habitué au fixe, donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc bon, on va faire avec, on va dire. Ouais, dans la déconnade, quand on est en fixe, on s'en croûte. Hein. alors qu'en mobile, justement, il y a le jeu qui est là, tout. On se pique au jeu. Hein. On va chercher des endroits où ça passe le mieux, ceci, cela. On va à la pêche. Hein. C'est très bien en plus. Hein. Il y a un petit jeu là qui s'installe et tout ça, à trouver des endroits où ça passe le mieux et tout ça. Effectivement, c'est très vrai. Hein. Et même si je fais les deux, je me rends bien compte que je m'en croûte un petit peu aussi, puisque je sors beaucoup moins souvent quand je suis en repos avec la voiture, foutre l'antenne sur le porte-vélo et tout. Parce que quand je vais m'arrêter quelque part, comme ça, que je monte la président Himalaya que j'ai, alors au début je faisais ça dans une remorque, mais bon, suivant où je me gare et tout, c'est pas toujours évident. Alors du coup, je me suis pris un porte-vélo posé sur l'attelage derrière, et je viens enclaver l'antenne avec les tubes et tout ça derrière, ce qui me fait monter l'antenne à 6 mètres de haut. Et en même temps, ça me permet de pouvoir bouger de quelques mètres comme ça s'il y a besoin, quoi. Et c'est vrai, pourtant, bon, donc du coup, c'est pas compliqué à faire. Hein. Surtout qu'une président Himalaya, bon, t'as trois morceaux à visser entre eux. Bon, le radiant à mettre, et encore, c'est même pas obligé. Et puis, en avant roule. Hein. Mais c'est vrai que je me rends compte aussi que quand je suis en repos, je me suis un peu encroûté de ce côté-là. Quoi. Ah, je suis trois coups. Ouais, mais oui, tout à fait. Après, voilà, quand tu fais du DX en mobile arrêté là, dans des coins un petit peu haut, c'est sûr qu'il faut avoir du matériel qui est assez facile à démonter et assez facile à monter. Comme ça, c'est rapide, ça met pas, tu mets pas 20 ans. Et puis, voilà, après, c'est la gueule. Oh, mais moi, j'avais pas l'antenne de fixe quand je faisais du DX. L'UDX ou même quand j'étais sur le 19 autrefois, quand j'ai commencé, j'étais ouais, beaucoup en mobile avec l'antenne du mobile. Bon, au début j'avais une petite présidente normale là un peu. Et puis après là j'avais la Web 27 là. Là avec ça, ça travaille sans problème avec ça. Ça, j'avais même pas besoin d'antenne de fixe. C'est-à-dire avec cette antenne-là, c'est un truc qui, tu vois, qui marche super bien. J'en suis content de ces antennes-là parce que je trouve que ça, c'est comme si c'était presque une antenne de fixe ou une Paris-Dakar là, qu'on mettait autrefois dans les bagnoles des années 80. Ah, ok, d'accord. Et tiens, je me souviens des fois que j'aime ça en discutant avec quelqu'un. Le mec il me dit ah mais moi là je vais me prendre une Mantova 8, ça marche super bien et tout ça, je vais faire des expéditions avec. Alors je sais pas, mais quand tu regardes une Mantova 8, t'as les entretoises et tout ça qui font intercaler entre chaque longueur de tube et ainsi de suite. Ça te fait pas mal de manipulations à faire. Hein. C'est autrement dit un peu comme celui qui va monter une directive à chaque sortie qu'il va faire comme ça là sur du ponctuel. Hein. Au bout d'un moment tu laisses tomber. Et c'est pour ça justement que moi j'ai pris la président Himalaya, car tu arrives sur place, trois morceaux à visser entre eux, et ben c'est terminé quoi. Aller au plus simple hein, quand on fait la radio en déplacement comme ça là, faut aller au plus simple. Bon après je faisais comme ça, j'avais cette antenne là parce que là où j'étais je pouvais pas moduler, donc c'est pour ça que j'avais cette antenne là. Puis bon après j'étais équipé dans le mobile, j'avais l'ampli, j'avais le poste décalé bien,
j'étais vraiment, on va dire, équipé de chez équipé, hein, comme si j'étais en fixe à la maison, quoi. Mais moi, j'aime bien ces antennes. Toi, je l'ai encore, hein, et, mais c'est vrai que c'est une bonne antenne. Moi, pour tout le temps que je l'ai utilisé, cette antenne, je ne suis pas déçu. Franchement, si ça serait reconnu à mettre de la CB partout dans les bagnoles, mais je dirais, ouais, mettez ça, tant pis, ça fait haut, mais au moins, ça fonctionne. Tu me redonnes le nom, s'il te plaît. La Web 27, là, c'est une présidente Web 27, là. C'est les grandes qui font 2 mètres, là. Oui, 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 WA 27, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Elle est très fine, manchon à mi-hauteur, et ressort assez fin, aspiré espacé à la base. Et sur en base à papillon, c'est bien celle-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Tiens, j'en avais vu une là il y a quelque temps, justement, à Noroto. Zut, c'était lequel? Bordeaux-Lac. Quand. Alors, tiens, justement, je parle des centres auto. Alors, le truc que je trouve dommage chez les centres auto, c'est que tu arrives comme ça dedans, tu vois rien pour la CB. Tu leur poses la question, là, ok, ils te sortent le catalogue. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, s'ils voient pas, c'est que ça n'existe plus. Ils vont pas, forcément poser la question. Enfin bon, peu importe. À ce moment-là, là, il y a quelques années, là, ils avaient encore là une président AW27 justement en rayon. Et j'ai été tenté de la prendre. Bon, et puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai déjà ce qu'il faut et tout. Mais c'est vrai que j'ai été tenté de la prendre. J'avais ça comme antenne, je peux dire que j'ai modulé quelques fois et fait quelques petits contacts, c'est quand même bien avec quoi. Donc bon, je suis pas déçu. Quand ça fonctionne, moi, c'était en plus niveau ROS, c'est déjà pré-réglé d'avance, donc t'as pas besoin de régler. Donc t'as juste à installer et des modules. Donc et puis c'est parti. Voilà, c'est tranquille. Oui, oui, oui. Bah, tiens, au niveau centre auto, il y a encore le centre auto du Leclerc de Saint-Médard, hein, qui a un petit peu de matériel. Mais bon, faut pas poser de questions. T'as des questions techniques à poser, dommage. Hein. Ben oui, c'est parce que les mecs, ils n'ont pas d'expérience. Ils connaissent pas, c'est des anciens qui ont passé la radio, on va dire. Donc c'est possible qu'ils n'y connaissent pas grand chose. Et puis bon, après c'est vrai que dans les magasins radio, il n'y en a plus. Dans les coins, ça ne court pas les rues non plus. Hein. Alors tu as. Tu connais de toute façon le. Attends, c'est Christophe. Oui, Christophe. SAV Radio 33. Tu as aussi. Commencé déjà. Ape PC. C'est LP PC ou LP Win PC, je sais plus. Et c'est Carbon Blanc, je crois. Je sais plus de ce côté-là. Bon, c'est un magasin d'informatique, mais qui a un rayon CB en même temps. Et bon, le mec, il s'y connaît quand même. Hein. On peut lui poser la question. À part eux deux, c'est vrai que là, je vois pas trop. Hein. Ben oui, c'est pour ça. C'est vrai qu'après, c'est pas évident dans la région. Là. Dans la région, ça ne court pas les rues. Tu vas dans le Nord, il y en a un peu plus. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, bon, faut faire avec. Bon, voilà, je vais essayer de continuer, moi. Et puis, bon, j'ai d'autres trucs à finir, là. Donc, je vais te laisser les concentrer. La bonne nuit si tu vas dormir et puis je te dis à plus tard sur les aériennes. Ok, voilà, je l'ai là, je suis sur le forum, je l'ai devant les yeux, c'est Help Win PC.
Et il se trouve à Carbon Blanc, c'est bien ça. Dans le centre de Carbon Blanc, juste en face, c'est un petit supermarché. Voilà. J'attaque ce soir. Demain soir, là, j'ai deux petites vacations là de 4 heures de temps, là, de 20h30 à 0h30. Ça me fait chier d'y aller. Enfin bon, c'est comme ça. je vais me mettre là de suite là, à travailler là, cette nouvelle vidéo. Donc ça sera nickel. Là, il y a de quoi intéresser du monde. Là, au contraire, là ça va être génial. Ok, merci pour ce QSO et pour m'avoir permis là, d'avoir fait là, cette vidéo. Donc, le début géologique, pour garder que l'essentiel. Et c'est un 1351 à toi, merci et à plus tard. Ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Hein. À plus tard, la bonne journée. Merci, toi aussi.